Depuis le voyage d'Octavio, Miguel Bonnefoy s'est fait une spécialité des grandes fresques romanesques. Récits historiques, romans d'aventure, prodigieuse saga familiale, il mêle avec brio les trajectoires intimes et les moments fondateurs de la grande histoire mondiale. Dans son nouveau roman, il nous emmène sur les traces de la famille Lonsonnier, dont les membres virevoltants se heurtent avec une bravoure inégalable aux heures les plus tumultueuses du XXe siècle. D'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, des coteaux du Jura au geôle du Pinochet, des tranchées de la Somme au ciel britannique, on admire Lazare, le patriarche franco-chilien, ancien poilu décoré. On s'éprend de Margot, l'intrépide aviatrice, et on s'inquiète pour Hilario, l'éternel révolté. Toujours empreint de ce réalisme magique qui nous ensorcelle, les romans de Miguel Bonnefoy sont un voyage féerique à travers le monde et le temps.